Maurice Cavan, inspecteur régional du plan et du développement de l'Abbé. Quand on prend la région administrative de l'Abbé, aujourd'hui on est confronté à une situation critique, surtout par rapport au MGF et aux violences basées sur le genre. À tout moment, on est interpellé par-ci, par-là pour dire « Ah, il y a des vieux de car, il y a des personnes de 60 ans qui violent des filles de 6 ans. Pour quel intérêt ?» Les MGF continuent à faire ravage avec tout ce que cela comporte comme conséquence sur la santé de la fille et de la femme. Justement, on a célébré cette journée mondiale le 11 juillet. On est aujourd'hui presque plus d'un mois après. Est-ce que vous pensez que les recommandations ici de cette journée prennent forme dans notre région? Dans certaines communautés, surtout par rapport au MGF. Il y a, quand je prends vers Gadaoundou, il y a des activités qu'on va continuer à mener, parce qu'il y a des femmes qui sont prêtes à déposer leur couteau. Ça va dans la perspective de la Journée mondiale de la population. Puisqu'aujourd'hui, quand on dit violence basée sur le genre, les MGF font une partie des violences sur le genre. Donc je pense que les activités vont continuer pour que vraiment les droits des femmes et des filles soient vraiment respectés dans notre région. Les activités, c'est qu'on a affaire à une population analphabète. Et il y a aussi les pesanteurs socioculturels qui agissent surtout sur les femmes. Lorsqu'on parle de MGF, frère, comme je l'ai dit dans mon intervention, on sait que ce n'est pas bon. Mais c'est, dans les sociétés, c'est accepté, les gens le font. Merci.